Livre du prophète Sophonie, texte de la Bible catholique Crampon, enregistrement par mission-web.com. Chapitre 1. La parole du Seigneur qui fut adressée à Sophonie, fils de Chuzi, fils de Godolias, fils d'Amarias, fils d'Ézéchias, dans les jours de Josias, fils d'Amon, roi de Juda. J'enlèverai tout de dessus la face de la terre, oracle du Seigneur. J'enlèverai les hommes et les bêtes. J'enlèverai les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, et les scandales avec les impies. Et j'exterminerai l'homme de dessus la face de la terre, oracle du Seigneur. Et j'étendrai ma main sur Juda et sur tous les habitants de Jérusalem. Et j'exterminerai de ce lieu le reste de Baal, le nom de ses ministres en même temps que les prêtres, et ceux qui se prosternent sur les toits devant l'armée des cieux, et ceux qui se prosternent en faisant serment au Seigneur, tout en jurant par leur roi, et ceux qui se détournent du Seigneur, qui ne cherchent pas le Seigneur et ne se soucient pas de lui. Silence devant le Seigneur l'Éternel, car le jour du Seigneur est proche. Car le Seigneur a préparé un sacrifice, il a consacré ses invités. Et il arrivera. Au jour du sacrifice du Seigneur, je châtierai les princes et les fils de rois et tous ceux qui revêtent des vêtements étrangers. Et je châtierai en ce jour-là ceux qui sautent par-dessus le seuil, qui remplissent de violence et de fraude la maison de leur maître. Et il arrivera en ce jour-là, oracle du Seigneur. De la porte des poissons retentiront des cris, de la seconde ville des gémissements, et des collines un grand fracas. Gémissez, habitants du mortier, car tout le peuple cananéen est anéanti. Tous ceux qui sont chargés d'argent sont exterminés. Et il arrivera en ce temps-là. Je fouillerai Jérusalem avec des lanternes, et je châtierai les hommes figés sur leur lit, qui disent en leur cœur, « Le Seigneur ne fait ni bien ni mal. » Leurs biens seront livrés au pillage et leurs maisons à la dévastation. Ils bâtiront des maisons et ils n'y habiteront point. Ils planteront des vignes et ils n'en boiront pas le vin. Il est proche le grand jour du Seigneur. Il est proche. Il vient en toute hâte. On l'entend venir, le jour du Seigneur. L'homme brave y poussera des cris amers. C'est un jour de fureur que ce jour-là, un jour d'angoisse et d'affliction, un jour de désolation et de ruine, un jour de ténèbres et d'obscurité, un jour de nuages et d'épais brouillards, un jour de trompettes et d'alarmes, sur les villes fortes et les créneaux élevés. Je mettrai les hommes dans la détresse, et ils marcheront comme des aveugles, parce qu'ils ont péché contre le Seigneur. Leur sang sera répandu comme la poussière, et leur chair comme du fumier. Ni leur argent, ni leur or ne pourront les délivrer au jour de la fureur du Seigneur. Par le feu de sa jalousie, toute la terre sera dévorée, car il fera une destruction totale, une ruine soudaine de tous les habitants de la terre. Chapitre 2. Recueillez-vous, rentrez en vous-même, race sans pudeur, avant que le décret ait enfanté, que le jour ait passé comme la paille, avant que vienne sur vous l'ardeur de la colère du Seigneur, avant que vienne sur vous le jour de la colère du Seigneur. Cherchez le Seigneur, vous tous humbles du pays qui avez pratiqué sa loi. Recherchez la justice, recherchez l'humilité. Peut-être serez-vous à l'abri au jour de la colère du Seigneur. Car Gaza sera abandonnée et Ascalon réduite en désert. On chassera Azoth en plein midi et Acharon sera déraciné. Malheur aux habitants de la région de la mer, à la nation des Crétois. La parole du Seigneur est prononcée contre vous, Canaan, terre des Philistins. Et je te détruirai en sorte qu'il ne te reste plus d'habitants. La région de la mer deviendra des pâturages,
des grottes de bergers et des parcs de moutons. Ce sera un territoire pour le reste de la maison de Juda, ils y paîtront leurs troupeaux. Le soir, ils prendront leur gîte dans les maisons d'Ascalon, car le Seigneur, leur Dieu, les visitera et les rétablira. J'ai entendu les insultes de Moab et les outrages des fils d'Ammon qui insultaient mon peuple et s'agrandissaient aux dépens de ses frontières. C'est pourquoi je suis vivant, oracle du Seigneur des armées. Le Dieu d'Israël Moab sera comme Sodome et les fils d'Ammon comme Gomorre. Un lieu livré aux orties, une carrière de sel, un désert à jamais. Le reste de mon peuple le pillera, et ce qui demeurera de ma nation les aura en héritage. Cela leur arrivera pour leur orgueil, parce qu'ils ont été méprisants et insolents contre le peuple du Seigneur des armées. Le Seigneur sera un objet de terreur pour eux, car il anéantira tous les dieux de la terre, et devant lui se prosterneront, chacun de son lieu, les habitants de toutes les îles des nations. Vous aussi, Éthiopiens, ils seront transpercés par mon épée. Il étendra aussi sa main contre le nord, il détruira Assur, et il fera de Ninive une solitude, aride comme le désert. Au milieu d'elle prendront leur gîte des troupeaux, des animaux de toute espèce. Même le pélican, même le hérisson se logeront sur ses chapiteaux. On entendra des chants dans les fenêtres, la désolation sera sur le seuil, car on a mis à nu les boiseries de cèdre. C'est là la ville joyeuse, assise avec assurance, qui disait en son cœur « Moi et rien que moi ». Comment est-elle devenue un désert, une demeure pour les bêtes ? Quiconque passera sur elle sifflera et agitera la main. Chapitre 3. Malheur à la rebelle et à la souillée, à la ville d'oppression. Elle n'a écouté aucune voix. Elle n'a point accepté d'avertissement. Elle ne s'est pas confiée dans le Seigneur. Elle ne s'est point approchée de son Dieu. Ses princes au milieu d'elle sont des lions rugissants. Ses juges des loups du soir, qui ne gardent rien pour le matin. Ses prophètes sont des fanfarons, des hommes perfides. Ces prêtres profanent les choses saintes, ils violent la loi. Le Seigneur est juste au milieu d'elle, il ne fait rien d'inique. Chaque matin il produit son jugement, pour donner la lumière, sans jamais y manquer. Mais l'impie ne connaît point de honte. J'ai exterminé des nations, leurs tours ont été détruites, j'ai désolé leurs rues, si bien qu'on n'y passe plus. Leurs villes ont été dévastées, si bien qu'il n'y reste personne, aucun habitant. Je disais, au moins tu me craindras, tu accepteras l'avertissement, et sa demeure ne sera pas détruite, selon tout ce que j'ai décidé à son égard. Mais ils n'ont été que plus empressés à pervertir toutes leurs actions. C'est pourquoi attendez-moi, oracle du Seigneur, pour le jour où je me lèverai pour le butin. Car mon arrêt est que j'assemble les nations, que je rassemble les royaumes pour verser sur eux ma fureur, toute l'ardeur de ma colère. Car par le feu de ma jalousie, toute la terre sera dévorée. Car alors je donnerai au peuple des lèvres pures, afin qu'ils invoquent tous le nom du Seigneur et le servent d'un commun accord. D'au-delà des fleuves de l'Éthiopie, mes adorateurs, mes dispersés, apporteront mon offrande. En ce jour-là, tu n'auras plus à rougir de toutes tes actions par lesquelles tu as péché contre moi. Car alors j'ôterai du milieu de toi ceux qui se réjouissaient avec arrogance. Et tu ne t'enorgueilliras plus désormais sur ma montagne sainte. Je laisserai au milieu de toi un peuple humble et petit qui se confiera au nom du Seigneur. Le reste d'Israël ne commettra pas l'iniquité, il ne dira pas de mensonge et il ne se trouvera plus dans leur bouche de langue trompeuse. Car ils paîtront et se reposeront sans que personne ne les trouble.
Pousse des cris de joie, fille de Sion. Pousse des cris d'allégresse, Israël. Réjouis-toi et triomphe de tout ton cœur, fille de Jérusalem. Le Seigneur a retiré les jugements portés contre toi, il a détourné ton ennemi. Le roi d'Israël, le Seigneur, est au milieu de toi. Tu ne verras plus le malheur. En ce jour-là, on dira à Jérusalem : Ne crains point, Sion, que tes mains ne s'affaissent point. Le Seigneur, ton Dieu, est au milieu de toi, un vaillant sauveur. Il fera éclater sa joie à cause de toi. Il se taira dans son amour. Il tressaillera à cause de toi avec des cris de joie. Je rassemblerai ceux qui sont dans la tristesse, privés des fêtes solennelles. Car ils étaient des tiens, l'opprobre pèse sur eux. Voici que j'en finirai, en ce temps-là, avec tous tes oppresseurs. Je sauverai celles qui boitent, et je recueillerai la rejetée, et je les ferai glorieux et renommés dans tous les pays où ils ont été honnis. En ce temps-là, je vous ramènerai. Et, au temps où je vous rassemblerai, je vous ferai renommés et glorieux chez tous les peuples de la terre, quand je ferai cesser votre captivité à vos yeux, dit le Seigneur.